deux principales. La première est financière, la deuxième est humaine. La première raison financière, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs du monde du public sont incités à l'investissement plutôt qu'à des dépenses de fonctionnement. Le deuxième point, c'est l'aspect ressources humaines. Utiliser des infrastructures cloud, c'est-à-dire confier à un prestataire de confiance un certain nombre d'actes techniques, un certain nombre de fonctionnement de l'infrastructure qui est aujourd'hui en fait réalisé par des agents, ni plus ni moins. Et donc demain, en fait, ils devront avoir un nouveau métier, ils devront avoir un nouveau parcours professionnel et toutes les collectivités, tous les acteurs publics ne sont pas en fait égaux dans cette capacité de pouvoir faire évoluer leurs équipes informatiques, leurs DSI, sur des nouveaux sujets, des nouveaux projets. De souveraineté, en particulier de souveraineté absolue, moi je suis assez mal à l'aise avec. J'aime beaucoup la doctrine de l'ANSSI qui est la confiance parce que, in fine, c'est le premier vecteur qui est poussé par le besoin des citoyens et puis par les acteurs publics. Maintenant, sur l'absence de doctrine, je ne sais pas si on peut parler d'absence. Aujourd'hui, on parle de transformation numérique. La transformation numérique, c'est je pars des besoins de mes utilisateurs, de mes métiers, et j'en déduis en fait la bonne trajectoire, la bonne infrastructure qui répondra à ces besoins. Donc vouloir en fait choisir de façon unilatérale telle infrastructure, qu'elle soit de confiance ou pas, ou tel data center que j'aurai personnellement avec mes équipes construit, et de tout mettre dedans, de mon point de vue et du point de vue de la littérature, ça fait assez peu de sens. Transformation numérique d'une application, d'un métier, d'un business process implique en fait la transformation des collaborateurs. C'est-à-dire que qu'un collaborateur ou un agent qui faisait une tâche demain, il en fera une autre. Et c'est sous cet angle-là qu'il faut le regarder. Qu'est-ce que j'attends de cette transformation numérique? Quel nouveau service je vais pouvoir offrir? Ou quel service de meilleure qualité, de meilleure efficience financière, environnementale, opérationnelle, en fait, je vais pouvoir offrir et j'attends. Quand on se pose ces questions-là, on ne peut pas se tromper sur le parcours RH d'une part ou sur le parcours en fait technologique d'autre part.